Salutations YouTube, nous continuons The Curse of Monkey Island, Monkey Island 3. On passe un très bon moment, sauf que c'est dur, on joue en Mega Monkey. La vraie difficulté avec les vraies énigmes. Oui, donc oui, ce qu'on venait de faire là, on était au théâtre et on a fait ce qu'il fallait avec la carte du trésor à la con là. On a utilisé ces infos là pour appuyer sur les boutons de... du panneau de lumière. Sauf qu'on peut pas aller déterrer Elaine. Parce qu'il y a l'autre con qui fait son spectacle nul pour les singes. Laisse tomber, laisse. On a tous les membres d'équipage, le quartet de Barbier, même s'ils sont trois là. Il nous reste pas grand chose à faire avant de partir. Et il faut aussi qu'on ait la vraie carte de l'île pour lever la malédiction là, qui est sur le dos du mec qui est en train de bronzer sur la plage. On y est presque. Évidemment, à n'importe quel moment, le chat sera sollicité en emote only pour m'aider. Alors déjà, comment on fait pour que ça s'arrête, là? Qui veut pas ouvrir? C'est fermé parce que la représentation est en cours. Faut que j'arrête cette putain de représentation, là. Ah, peut-être que je pourrais faire une entrée en mettant un masque d'âne. Je n'ai pas envie d'avoir l'air d'un crétin. Je n'ai pas besoin d'accessoires. Non mais faut qu'on sabote ça là. Je n'ai pas besoin d'accessoires. Parce que... là quand je rentre ici je peux rien faire, oui on est d'accord. Je peux même plus monter sur le truc des lumières. Comment je mets fin à cette saloperie? Mais elle est ouverte! Elle est ouverte la malle! Des boulets de canon. Je ne veux pas m'encombrer de ces boulets. Bah si! Non mais c'est pas innocent que... Oh putain! Oh, on dirait qu'il va utiliser les boulets de canon. Mais j'ai bien fait! J'ai bien fait, j'ai piffé direct ce qu'il fallait! J'ai graissé les boulets! De Roméo et Juliette. Wow. Oups. Et voilà, ça glisse! Paf! Oh, le souvenir d'outre-tombe, je pense, hein. Je suis bien content que ça se termine par un magnifique mariage. Bon, bah tant mieux. Le pif gagnant. Bon, y a rien d'autre dans cette malle? C'est une vieille malle de voyage. Mais attendez. Elle est couverte d'autocollants de destination lointaine. Par contre, y a un autre problème. Ils sont tous partis. Bon, bah c'est génial. Ah, mais y a la pelle. Ah, y a un petit singe aussi. Bon, bah s'il y a une pelle, c'est parfait. Ah mais je vais déterrer Elaine, mais pour la planquer où? Et puis j'ai toujours pas de bateau. Ah oui, j'avais oublié ce détail, j'ai toujours pas de bateau. Elaine devrait être en sécurité dans le nid de pie, pour l'instant. Ah bah si, j'ai un bateau, parce que oui, j'ai dit à tous les idiots, oui. Ah oui, alors c'est bon. Joli les bottes, hein? Désolé. Hé, hey, dis donc, t'as vu? J'ai quand même des gros os. Oh, silence! Voilà le capitaine Lotchak! Assez financé, moussaillon! Cap sur ma forteresse sur l'île aux singes! Je vais délivrer mon armée de morts vivants! Et cette fois, Elaine sera mienne! Ah, Elaine! Il y aura fête au fond des enfers, quand tu connaîtras le souffle embrasé de mon baiser sur tes lèvres, ce qui fera de toi mon épouse morte vivante. Et j'écraserai quiconque tentera de se mettre sur mon chemin. Flamme et pestilence! Oh, que c'est beau d'être mort! Saloperie! Il y avait ça avant, là? C'est un lit de foin. Je n'ai aucune envie de foin moisi. Je me souvenais pas du lit de foin. Une aiguille dans une botte de foin. Je ne veux pas piquer ça. Non. Tu veux ce set de table? Je n'en veux pas. Oui, ben oui, il n'y a pas grand chose à faire ici, hein, en théorie. Et la cale, on y a accès ou pas?
Non. Étrange. Cette cale est pleine de bagages cassés. On soit. On a le bateau, on a l'équipage. On a la lumière, on a la sono. On a Elaine. Il ne nous reste plus qu'à obtenir la carte de l'île. Il reste un truc, mais ça va être infernal. Lui, là, il a la carte sur son dos, du con, palido. Je ne veux pas piquer ça. Allez, pique ça. Je ne veux pas piquer ça. Ensuite, je peux tout essayer, hein. Comme un vieux naze. Un manuel de ventriloquie. Je ne veux pas projeter ma voix. On met de la teinture rouge. Pas saccager la carte. Bah oui. Avec du chewing-gum. Quoi, du chewing-gum avec ça? J'en sais rien, je suis désespéré. Oh, ça va rien, ça va être rien de ce que j'ai là. Je ne peux pas coller ça. Je ne peux pas coller ça. Et puis quand même, il faudrait pouvoir la reproduire. Comment je vais faire sinon? Oh, ça va encore être absolument tiré par... On ne peut pas être employé avec ça. Et par les cheveux. Ça sent l'imoton de lit. Ah, probablement, hein. Ferais-je donc du... Je ne veux pas couper ça. Je ne veux pas couper ça. Oh. On a déjà essayé de le dépecer, mais il veut pas. Je vais frotter avec mon biscuit. C'est dommage de gâcher ainsi un bon biscuit. Impossible de mémoriser cette carte. Elle est bien trop compliquée. Non. Je préfère faire un détour plutôt que de traverser ce sable brûlant. Ah, je peux prendre des serviettes? Serviettes moelleuses? Je peux les remouiller? Cette serviette est trempée. Serviette moelleuse. Hé, hey, garçon de plage. Puis-je vous aider? Rien. Oui, Chandler. Je suis assuré que tu étais à mon service. Oh, cette huile de cuisson, là. Un peu d'huile. Cette huile est réservée au chef du stand friture. Ça, ça me rend dingo, hein. Cette huile, elle est là, à dispo depuis le début, on peut pas la prendre. C'est sûr qu'elle va servir. Ah, mais ça doit être ça. Genre, on met de l'huile de cuisson sur son dos, il pèle en mode dégueulasse et on arrache. Ah, si c'est ça, c'est immonde. Et comment je me ferais passer pour un chef cuistot, quoi? Ça n'a pas besoin d'être séché. À quoi me servirait ici une serviette humide? Oh là là, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant, je le sens. En plus, Lady Vaudou, elle me donne pas d'indice, je crois. Hein. Elle va juste me dire que j'ai besoin de ci, ça et ça. Redites-moi comment lever le sort. Tu dois remplacer la bague maudite par un diamant brut de l'île. Ah oui, voilà. Et pour arriver à l'île... Ah oui, bah, c'est pour ça, on doit aller à l'île de sang, mais ça se trouve, je vais mourir là-bas et je dois avoir une bague. C'est noté. Ouais, mais ça, c'est bon. Merci pour votre aide. Bon, donc c'est de la merde. Elle m'aide pas. Oh, c'est cauchemar. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que j'ai sur moi tout ce qui est nécessaire pour résoudre cette énigme? Non. Oui. Non. Oui, non. Oui. Oui, non. Non. Oui. Non. Très bien. Oubliez, oubliez. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok. On est mieux en emote only, finalement. Finalement, on communique mieux en emote qu'en texte. C'est vrai qu'il y a toujours tous ces poulets, là. Ok.
Bon allez, je pense que le temps est venu. Pauvre YouTube. Ah, j'ai quand même élucidé le truc des boulets de canon tout de suite, tout seul, vite. Il s'est passé quelque chose. Mais je crois qu'hélas, il est déjà temps de consulter notre chat bien-aimé. Merci Shell. Vous êtes en emoton de lit. Faites-moi comprendre. C'est comme ça que nous nous comprenons le mieux. Avec le pouvoir des emotes. Ce que je dois faire. Poussez. Monde, huile. Feu, bière. Huile. Ah donc j'avais bien raison. Cinéma. Clap, pousser, monde. Pousser la boule. Pousser le ballon. Le monde, ballon attrapé. Ah non, ça recommence. Peindre. Merde. Très bien. Des robots. Ballon cœur. Tout brûlé. De l'huile. Ballon huile. Pas du tout. Je ne peux pas utiliser un ballon avec ça. Pousser. Oh non mais c'est trop. Tout le monde dit n'importe quoi. Il y a des fake news partout. Pousser au secours. On sait pas. Non attendez. Non mais. Je suis sûr que quelqu'un a l'info. Il faut attendre que ça se calme et une vraie info va sortir de ce chat, c'est sûr. C'est imminent. Pousser. Ah, attendez. Oh là là. Oh, il y a une emote très précise là d'un homme allongé. Pousser. Ah oui, c'est chez angle droit. Pousser le mort. Feu. Ah, genre pousser. Non. Est-ce qu'il faudrait pousser lui dans le sable brûlant? Pousser Palido. Non. Pousser la manette. Merci Mintos. Attendez. Carton jaune. Ah donnez. Attendez, j'ai un carton. Mais non. Le carton que j'avais, c'était un talon de réservation. Ah mais oui, attendez. Et si je donnais mon talon de réservation que j'ai déjà utilisé pour le restaurant à lui? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ou peut-être à Jean-Michel. Mais Jean-Michel, c'est un connard, il apprécie rien. Tiens, va au restaurant. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Non, pas du tout. Pousser le pop-corn. Feu, pousser le sapin. Pousser l'homme dans les tentacules. Non, mais les tentacules, c'était les asticots. Et on n'en a plus. Oui, non. Papier haut. Bol. Hameçon. Non, fouet. Papier dans de l'eau. On a accès à de l'eau avec la cascade ou de l'eau là. Peut-être que je trempe des trucs là. Je vais tremper cette encyclopédie dans un seau à glace. L'encyclopédie ne servira à rien. Non. Je vais le conserver. Il donne peut-être droit à une réduction. Il a le droit à une réduction. Tiens, tu veux une réduc? Je vais le conserver. Il donne peut-être droit à une réduction. Oui. Pourquoi vous dites oui alors que je dis de la merde? Je vais mouiller ce manuel de piraterie. C'est juste de la lecture. Je vais mouiller ce manuel de ventriloquie. Je ne veux pas projeter ma voix là. Je vais mouiller cette carte au trésor. Je ne pense pas que ça puisse m'aider. Pousser. Pourquoi pousser Guile? Carton. Pousser le rocher. Oui. Ah oui. Oui, serviette poussée. Oui, panier à linge poussé. Panier. Comment ça le panier? Ça? Non mais non, je vais pas reprendre des serviettes de grâce. Je vais en prendre une de plus. Non. Je ne veux pas m'encombrer avec ça. C'est froid. C'est rempli de vaisselle sale. Et quoi? Oui. Pourquoi ils disent oui, là, du con?
Pousser crâne. Pousser de l'eau. Pousser de l'eau. Et sinon, il y a la cascade. Il y a la cascade aussi. Ouais. Vous voulez que je pousse la cascade? Je vais prendre la cascade. Non. Ah non, vous voulez pas que je fasse ça? Non, non, non. Ah, mais ça veut dire que je suis au bon endroit à la cabane? Oui. Oui, oui, oui. Ça alors, je suis au bon endroit à la cabane. Pousser l'huile. Ah, ça. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'huile? Cette huile est réservée au chef du stand friture. Non. Oh non. Certaines ont l'air plus vieilles que moi. Pousser de l'huile sur le feu. Ah mais il y a la friteuse là. Rien ne vaut une bonne friture bien huileuse quand on passe la journée à la plage. Je me brûlerai. Je me brûlerai. Mange l'huile. C'est réservé au chef. Mange des nuggets. Oh non. Certaines ont l'air plus vieilles que moi. On a la friteuse. Ah mais j'ai de l'huile. Ah bah non, je l'ai plus la graisse. De toute façon, y'a rien là. Je vais le provoquer en duel. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Le feu. Mais le feu, j'ai pas de quoi foutre le feu là. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Ah, Ben aussi s'y met. Pousser de l'eau sur le mec. Papa Pichou! Ça alors, fallait lui fouetter le cul avec une serviette mouillée, mais c'est bien sérieux! Ah merci Ben. Oh non, certaines ont l'air plus vieilles que moi. Incroyable. Je me brûlerai. Bon bah au moins je peux prendre cette huile de cuisson. Alors du coup, je peux vérifier ma théorie immonde de mettre de l'huile de cuisson sur Jean-Michel. Est-ce que j'avais raison? Ah mais c'était vraiment ça? J'avais raison, ah! Le souvenir lointain était bon. C'était vraiment ça! Quel cauchemar! J'aurais préféré ne pas avoir à faire ça. Ok. Merci le chat. C'est bon. Bon bah là j'ai tout ce qu'il faut hein. Somme c'est la fin de chapitre. C'est une fin de chapitre, c'est ce qu'on appelle une fin de chapitre. Eh oui. Bravo. J'ai un équipage, une carte, un bateau et j'ai récupéré... Ah merde, alors on va pas avoir la chanson. ...sur l'île du sang pour lever le sort et sauver Hélène. Qu'en dites-vous les gars? Maintenant, direction l'île du sang. Hardi les gars, la fortune nous sourira. Les gars, ce sera peut-être plus difficile que je ne l'avais imaginé. Ah, la mer. Oui, la mer. Il n'y a pas de plus beau spectacle. Ah, mais ils l'ont juste coupé la chanson. Ah, l'odeur des embruns. Et ce soleil qui inonde la baie. C'est un jour idéal pour prendre la mer. C'est un navire de pirates. Il faut le distancer. Courage, les gars. Vous êtes avec moi? Hé, hey, regardez, une baleine. Où ça? Où ça? Ce navire nous rattrape. Bill, coupe-gorge! Déploie le hunier! Drôle de baleine. Non, mon gars. C'est un abordage. Équipage, tirez-moi de là! C'est un cétacé qui appartient à la famille. Je pense que tu as raison. Tiens, tiens. Rottingham, c'est donc toi. Que veux-tu, à part une belle perruque? Je suis venu m'emparer de ta carte de l'île du sang. Ainsi, je trouverai le diamant dont tu as parlé. J'aurai un splendide presse-papier pour mon bureau. Oh, regarde! Il y a une brèche! Ah!
Tu n'auras jamais cette carte, tête d'œuf. J'en ai besoin pour sauver Hélène. Alors je te la prendrai par la force. Cette baleine doit faire au moins 35 mètres de long et peser plus de 200 tonnes. Tu n'es pas sans savoir que dans un combat, la vivacité d'esprit vaut plus que le tranchant. Ah, c'est encore un combat d'insultes ? Ça va de soi. Tout le monde sait ça, c'est le béaba. Finissons-en tout de suite. Je n'ai encore jamais perdu un combat. Ah oui ? Eh bien, tu ferrailles comme un manche. Non. Mais non ! C'est pas du tout ça. Quoi ? En mer, les règles sont différentes. En mer, les insultes et les menaces doivent rimer. Quoi ? Quand je dis « aucun adversaire ne m'a jamais résisté », tu réponds... Un jour, j'ai cru trouver de l'or, mais ce n'était que du fer doré. Non, tu dis « ta mauvaise haleine a suffi à tous les étouffer ». On essaie à nouveau, d'accord ? Tu as autant de charme qu'un singe en robe de nuit. Alors, ça vient ? Je... C'est ce que je pensais. Tu n'es pas un vrai bretteur. Donne-moi cette carte. Voilà, prends-la. Merde alors! C'est ça ta carte? Quand j'en aurai fini de piller dans les parages, cap sur l'île du sang. À la prochaine fois, mon cher Tripcoud. Salaud! Récupérez cette carte, sinon on ne trouvera jamais l'île. Merci les gars. Vous m'avez été d'un grand secours. Captain! Oui, mon cher McMouton. On se demandait, comment dire... Ah oui, ils l'ont sauté, ouais. Le capitaine en avait affaire. Que veux-tu dire, Agis ? Eh bien, certains capitaines sont des hommes d'action. Ils veulent avoir le contrôle de tout ce qui se passe sur leur navire. D'autres préfèrent se concentrer sur leurs fonctions et se contentent de superviser. Ceux qui sont des hommes d'action arrivent plus difficilement à combattre les autres pirates et boucaniers dans le cadre des abordages où tout va si vite. Ceux dont le style est plus académique réussissent mieux à affronter l'ennemi et sont donc plus facilement capables de le vaincre. Je vois. Alors, Captain Tripwood, dans quelle catégorie es-tu ? J'aime le combat, comme tout capitaine qui se respecte. Combat naval, risque maximal ! Alors... Attendez, quand même, on va mater la chanson pour qu'on sache de quoi on parle. Non mais c'est important. Attendez. Parce que pour rappel, dans la version originale, il y a une chanson. Et en gros, parce qu'ils veulent pas travailler cette bande de manches, et dans le même esprit que le combat, le duel qu'on a fait contre l'autre capitaine, la McMutton... où il faut que ça rime, bah eux aussi en fait faut les arnaquer parce qu'ils ne font que chanter au lieu de bosser. Et du coup à chaque fois qu'on leur donne des ordres, ils répondent en chantant et avec des rimes. Et en gros faut trouver un mot qui ne peut pas rimer. Donc c'est rigolo. Si je spoil. Je suis frustré de pas l'avoir eu. Attendez. We're a band of vicious pirates. Ah oui, non, mais il me faut les sous-titres, sinon ça n'a aucun sens. Ah, mais pas sûr qu'il y avait... Ah, la plupart jouent sans sous-titres. Ah, la qualité audio est pas trop ça. Mais il n'y a pas en FR, je crois pas. Ah, moins que... À moins que quelqu'un les traduit en français. Ah, il y a la traduction italienne. E tradotta nei sottotitoli. Et on l'a pas en français ? Ah si. Merci les gars. Vous m'avez été d'un grand secours. Ce fut une bataille de toute beauté. Ah oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui avait dû patcher le jeu où on avait quand même la chanson. Secours. Ce fut une bataille de toute beauté. Ouais, ça me rappelle une chanson. We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea. When you hear a gentle singing, you'll be sure to turn and flee. Oh, this is just ridiculous. Ah oui, il y avait quelqu'un qui va traduire. Come on, men.
We've got to recover that map. That map. That pirate will be done for when he falls into our trap. And trap. Bon voilà, c'est le délire. We're a club attuned for rovers. We can sing in every clef. We can even hit the high notes. Ça aurait été presque mieux avec les sous-titres anglais. Le morceau est très entraînant. Et en plus, ça mettait en avant le moteur du jeu, musical du jeu. Let's go defeat that evil pirate. We know he's sure to lose because we know just where to fire it. We're thieving balladeers. A gang of cutthroat mugs. To fight us off, you won't need guns. Just jolly good earplugs. The pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. All right, crew, let's get to work. Our vocation's a thing we love, a thing we'd never shirk. We'll fight you in the harbor. We'll battle you on land. But when you meet singing pirates, there'll be more than you can stand. Oh, that was a good one. No, it wasn't. Il est trop dur à faire en français, Jean. Ouais, ils auraient dû les faire chanter, les acteurs. Ça aurait été marrant. The battle will be long, but our courage we will prove. We're a pack of scurvy sea dogs. Have we pity, not a dram? We all eat roasted garlic. Then sing from the diaphragm. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Less singing, more sailing. When we defeat our wicked foe, his ship he will be bailing. If he try to fight us, you will get a nasty whacking. If you disrespect our singing, we will feed you to a kraken. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Quelle danse incroyable. I'm getting so sick of you guys and your rhyming. We're ready to set sail, though the cannons need a priming. Troublesome corsairs, and we've come to steal your treasures. We would shoot you on the downbeat, but we gotta rest 5 measures. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. Ben, c'est normal, là, ils font tous les dialogues avant le dernier. bientôt fini. Stop. The brass is what we'll polish, and the deck is what we'll mop. You say you're nasty pirates, scheming, thieving, babush whackers. From what I've seen, I tell you, you're not pirates, you're just slackers. A pirate I was meant to be. Trim the sails and roam the sea. We'll surely avoid scurvy if we all eat an orange. And, Well, door hinge? No. Guess the song's over then. Guess so. Okay. Back to work. Well, gee, I feel a little guilty now. Donc voilà, c'est ça qui se passait. Captain. On les arnaque finalement avec le mot orange, qui n'a quasiment moins. Pas de rime en anglais. Alors, hop là, on y retourne. Donc oui, carte de navigation, regardons. Ah oui, putain, je me souvenais pas du tout de ça. Tiens, vas-y. Embrouille. Mais non, ils vont... Quoi ? Attends, comment j'ai fait ça ? Attends, clic droit, je tire, mais seulement à droite ? Les arnaques là. Attendez. Ah, les pirates ont été vaincus. Quoi au juste ? Tu veux quoi au juste ? Allez, c'est parti. Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Ne me fais pas rire. Ok, donc c'est là qu'on va apprendre des vannes comme dans le premier, quoi. Tu as autant d'allure qu'un singe en déshabillé. Ah ouais ? Putain, il m'a dit ah ouais, il faut que tu m'apprennes des comebacks, des répliques.
Tu es laid et tu es stupide, c'est niveau 0, faut pas le faire. Aucun adversaire ne m'a jamais résisté. Ah ouais ? Ok, bon bah là, je fais ça, c'est nul. Tu es laid. Je n'ai jamais entendu une insulte aussi nulle. Ok, non, vas-y, apprends-moi une insulte. Pour l'humanité, ta mort serait un soulagement. J'aime le blanc qui est saignant. Comment fais-tu donc pour être aussi laid ? Et donc en vrai, voilà, vu qu'on a rien, toutes les réponses là sont nulles, quoi. Conjuguez-moi en latin le verbe... Enfin, la première, c'est pour l'autre attaque. Donne-moi ton trésor, face de Merlin ! Si j'en avais un, je te le donnerais volontiers. Ah. Le problème, c'est que je manque d'entraînement au sabre. Au moins, je leur ai montré que je savais me battre sur mer. Mais c'est pas grave, continuons. Tu prétends que t'es un... Ah, c'est bon, je peux les attaquer directement. Mon gars. Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Ne me fais pas rire. Allez. Vas-y. Aucun adversaire ne m'a jamais résisté. Je tremble de partout. Oh, I'm shaking. Pour l'humanité, ta mort serait un soulagement. Allez. Tu es la colle, moi le caoutchouc. I'm rubber, you are glue. Mais putain, mais il veut pas m'aider. Comment fais-tu donc pour être aussi laid ? Tu es la colle, moi le caoutchouc. Tu as gagné ! Donne-moi ton trésor. Infect buveur d'eau de cale. Le trésor est à toi. La cale est pleine de butin. On s'en sert jamais de ce trésor. Oh, visez-moi tous butin. Surtout que je vais me faire... Je vais me faire bolos après. Et on peut parler aux autres d'ailleurs. Non, il y a vraiment que Agis. Agis ? Oui ? Les gars, vous pouvez me donner un coup de main pour la manœuvre ? Oh non, mon gars ! Il n'en est pas question ! Mais... Et... Tu as voulu agir par toi-même ! Oh, Agis... Ne viens pas te plaindre ! On t'a proposé notre... Mais quelle raclure ! Ne me parle pas comme ça, Agis. Aide-moi juste cette fois-ci et je t'arrange le coup avec ma sœur. Ça ne m'intéresse pas. Ses cheveux sont magnifiques. C'est pas une perruque ? T'ai-je dit qu'elle adorait les enfants et les animaux ? C'est bon, mon gars. Comme on est tous dans la même galère, faudra bien qu'on t'aide si on veut arriver à l'île du sang. Combat naval, mode facile. Ah d'accord, c'est juste... il me change le... la difficulté du combat naval, mais what the fuck. Ah mais alors, pourquoi l'autre, je pouvais l'attaquer en duel directement et... Par contre, je sais pas si je fais quelque chose de mal, mais... Je n'arrive à attaquer qu'à gauche. Enfin qu'à ma droite plutôt. Oh, c'est tout simplement là où est mon curseur et je suis stupide ? Non, mais c'est ça. C'est en direction du bateau. Oui, à tribord. On n'est pas rendu, hein. Ah, salut, Quev. Ouais. Mais reviens là ! Oh, le cauchemar ! Ah ! Ah oui, c'est en mode facile. Face de Médu. Tête de cul. Allez, par pitié ! Apprenez-moi des vannes, des comebacks ! Surtout des comebacks, là. Allez. Tu as autant d'allure qu'un singe en déshabillé. Oh ouais ! Mais c'est... ils sont nuls ! Pour l'humanité, ta mort serait un soulagement. Te tuer serait faire œuvre d'assainissement. Magnifique ! Tu restes muet devant mon sens de la répartie. Pour un canapé, rien ne vaut le simili ! Pour un canapé, rien ne vaut le simili. En garde, mon ami !
Avant d'être pirate, je bossais dans une fromagerie. Eh ben oui, mais je suis obligé de perdre maintenant parce que j'ai aucun comeback parce qu'ils m'en ont jamais donné. Tu as sûrement un trésor. File-le-moi. C'est bon, c'est bon. Mais je peux garder mon exemplaire de Théorie des courants et des vents de l'océan tyrannique, 3e édition? Pas de problème, je possède déjà la 4e édition. Ok, bro. Bon. Oh. Tu veux quoi, au juste? Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Ne me fais pas rire. Allez. Donc, soulagement, il a répondu, hein? Aucun adversaire ne m'a jamais résisté. Oh ouais! Tu as autant d'allure qu'un singe en déshabillé. Je ressemble tant que ça à ta petite amie! Attends, ça rime pas! Je vais te mutiler, t'embrocher et te finir en fricassé! Attends, mais pourquoi celle-ci elle marche alors qu'elle rime pas? Ça, c'est la mécanique quand on n'est pas en mer! Parce que la VF... Ah oui, mais ils font l'effort de le faire sur tout le reste, et pourquoi celle-ci? Le glutamate de sodium ne convient pas au riz cantonais. Pour l'humanité, ta mort serait un soulagement. Ah! Te tuer serait faire œuvre d'assainissement. Bon alors, le singe et la petite amie, du coup. Mais ça, c'est celle qui m'a appris. Tu restes muet devant mon... Alors, elle a la réponse. Je tremble de partout. T'as gagné. Donne-moi ton trésor. Je n'y tenais pas plus que ça. Il porte en lui la malédiction. Quoi? Oh, je plaisantais. La cale est pleine de butin. Ok. Ah oh merde, c'est reparti. Et revenez là, c'est chiant, surtout que je peux tirer qu'à tribord. Mais il y a un bouton, ça se trouve, j'ai loupé un bouton. Ah bah là... Ah non, il tire vraiment vers le bateau, quoi. Voilà, ok, en facile, non mais parce que c'est chiant. Oses-tu t'attaquer à moi? Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Ne me fais pas rire. Le mode facile est activé juste pour la bataille navale parce que j'ai parlé à Agis. Mais en plus, je voulais même pas faire ça, je voulais juste qu'il m'aide, je croyais que c'était dans le scénar. Bon, bref. Alors. Donc le singe et la petite amie, ça c'est assainissement. Aucun adversaire ne m'a jamais résisté. Ta mauvaise haleine a suffi à tous les étouffer. Nickel. Je vais te mutiler, t'embrancher et te finir en fricassé. Ah ça je l'ai pas. Riz cantonais. Le glutamate de sodium ne convient pas au riz cantonais. Je vais t'embrancher comme un dindon rôti. Il y a des trucs en difficile en plus à faire qui fera pas du coup. Non mais je joue en difficile. C'est juste que là j'ai parlé à Agis et les batailles navales sont en facile. Mais en vrai c'est pas passionnant hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Merde. Ouhou, j'adore faire de la marqueterie. Merde, j'ai pas entendu sa vanne. Petite amie. Sûrement un trésor. File-le-moi. C'est bon, c'est bon. Mais je peux garder mon exemplaire de Théorie des courants et des vents de l'océan tyrannique, 3e édition? Pas de problème. Ah, tu peux upgrade ton bateau. C'est déjà la 4e édition. Moi, je suis chaud. Bah attends, je peux lui demander ou pas? Agis? Oui? Ah bah voilà. J'aimerais passer en contrôle tactique intégral. C'est bon mon gars, on va te donner ta chance. Ok, mode combat difficile. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ok, let's go. Faudra le prouver mon gars. Faudra le prouver mon gars. C'est d'accord. Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Ne me fais pas rire. Donc ça, c'est bon. Il a répondu à...
Je vais t'embrocher comme un dindono rôti. Dans peu de temps, tu ne seras plus qu'une immonde bouillie. Parfait. Tremble, moustique. Je suis la terreur des océans. Ça, on connaît pas. Ce que vous dites ne me laisse pas indifférent. Pour l'humanité, ta mort serait un soulagement. Te tuer serait faire œuvre d'assainissement. Ok. Donc ça, c'est petit ami. Fricassé. Putain, je me souviens plus à quoi ils ont répondu. Je vais te mutiler, t'embrocher et te finir en fricassé. Ton odeur me fait l'effet d'une bouche d'égout mal fermée. Ah bon. Donne-moi ton trésor, face de Merlan. Si j'en avais un, crois bien que je l'aurais dépensé avant de t'attaquer. Ça me paraît logique. Tant pis alors. Barre-toi, ça vaut mieux pour ta santé. Ok. Bah finalement, des fois il y a pas de bataille, on part direct en piraterie, bon, enfin en duel. Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Ne me fais pas rire. Fricassé, c'est bon. Comment fais-tu donc pour être aussi laid? Sans compter tous tes rancards au lycée. Olé. Tremble, moustique. Je suis la terreur des océans. On l'a pas. Ça, ça rime, mais c'est pas ça. Faire œuvre d'assainissement. Je vais te mutiler, t'embrocher et te finir en fricassé. Ça, il a répondu. Ton odeur me fait l'effet d'une bouche d'égout mal refermée. Soulagement, je suis pas sûr. Et ça non plus, non? Je vais t'embrocher comme un dindono rôti. Dans peu de temps, tu ne seras plus qu'une immonde... Du con. Oui, oui, et soulagement, c'est assainissant. Donne-moi ton trésor. Ok. Si j'en avais un, crois bien que je l'aurais dépensé avant de t'attaquer. Ça me paraît logique. Tant pis, alors. Ok. Renonce au combat. Attends, lui c'est mon pote. Pour l'instant, je farme sur lui. Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. En plus, quand ça sera le boss fight, si c'est comme la reine des sabres, ça sera pas les mêmes vannes. Il faudra deviner. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est lissé. Rôti c'est bon, hein. Fricassé c'est bon. Aucun... Je sais pas s'il a répondu à ça. Ta mauvaise haleine a suffi. Ah si, peut-être. Tous les étouffer. Ok. Tremble, moustique. Je suis la terreur des océans. Mais ça, j'ai pas, par contre. Eh bien, tout cela est un peu dément. Pour l'humanité, ta mort serait un soulagement. Assainissement. Te tuer serait faire œuvre d'assainissement. Ah ah! Mais non, mais en garde, mon ami, c'est un vrai truc. En garde, mon ami! Je tremble de partout. Putain, il sait pas répondre à ça. Et donc, oui, sa vanne sur l'océan, là. Mais je peux pas lui faire sa vanne. Pourquoi je peux pas lui faire son truc de l'océan? Tu restes muet devant mon sens de la répartie. Ah, c'est pas possible. Tu te rinces la bouche à la Yoli. Ok, on l'avait pas, très bien. Donne-moi ton trésor. Voilà, on a tous au océan. Crois bien que je l'aurais dépensé avant de t'attaquer. Ok. Ça me paraît logique. Tant pis, alors. Ça parle très mal, hein. Renonce au combat. C'est mon bro, lui. Mais faut que je trouve des pirates plus redoutables si je veux... Je suis Guybrush Threepwood. Si je veux de nouvelles vannes. Et ensuite, faudra attaquer le capitaine.
mais l'océan, c'est savane à lui, en fait. Moi, j'y ai pas le droit. Ah, si. Oh, elle est... Oh là là, elle est tellement bas. Ah, mais ça baisse que d'un à chaque fois, d'accord. Tremble, moustique. J'ai besoin de ça et on garde mon ami. Ah ouais. En garde mon ami. En garde mon ami. Ça a déjà été dit et redit. Nickel. Je vais te mutiler, t'embrancher et te finir en fricassé. Ton odeur me fait l'effet d'une bouche d'égout mal refermée. Bah, je crois que le reste, sinon j'ai, hein. Aucun adversaire ne m'a jamais résisté. Ta mauvaise haleine a suffi à tous les étouffer. Non, répartions-la, c'est la Yoli. Tu restes muet devant mon sens de la répartie. Bah tiens. Tu traces la bouche à la Yoli, c'est pas possible. Et il rajoute c'est pas possible pour m'embrouiller alors qu'il y a pas de c'est pas possible. Donne-moi ton trésor, babouin boutonneux. Le trésor est à toi. La cale est pleine de butin. Ok. Ah, ça c'est nouveau ça. Il est trop nul mon bateau. Mais c'est grand ça. Oh là là, mais le délire! Oh, il envoie si loin. Ah, faut retourner en ville pour upgrade son vaisseau. Bah, voilà autre chose. Le concombre des mers. J'ai perdu une bataille. Quelle humiliation pour un pirate de mon expérience. Bah, voilà autre chose. De toute façon, je peux pas retourner en ville, là. Je suis là et point... Et point barre, hein. Le concombre des mers. Oh là là, mais c'est beaucoup trop énervé, là. Oui, il faut lui faire le cul, hein, comme on dit. Oh non, mais il est... Encore un échec. Mais il est gratos. Il est gratos, mon bateau. Oh non, mais peut-être que le mode facile, ça avait du sens, finalement. Le poulet en bas à gauche pour aller en ville. Non, pour revenir. Oh non, il est vraiment trop zéro, mon bateau. Les pirates assez redoutables. Ah non, si. Là, bizarrement, il y a une baston. Faut que je passe derrière eux. Olé ! C'est la strat, vous inquiétez pas. Il m'a touché, c'est trop ! Et ça y est, on n'avance plus, on est déjà mort ! Oh là là, mais la misère ! Ah, sur la carte en haut à gauche. J'avance plus. C'est réel. Non mais si, à la limite, si c'est pour me dire ça, ça va, parce que... Si c'est une feature que j'ai pas vue, c'est con. Ils ok, ils ok. Par contre, j'avance plus là. Il y a le vent aussi. Oui, je sais qu'il y a le vent, mais... Lui, il avance quand même. Ah. Le concombre des mers était ok. Le bateau était bien trop puissant. Il me faudrait des adversaires moins redoutables. Eh, hey, problème des... Ouais, hey, mais attends, mais est-ce que je me fais pas baiser en... Parce que vu que j'ai fait des trucs en facile... Ah oui, Plunder Town. Tiens, tiens, tiens. Les tricheurs finissent toujours par payer. C'est comme vous dites. Vous m'avez donné une belle leçon. Je n'essaierai plus jamais de tromper quelqu'un. Juré. J'ai un nouveau commerce maintenant. Et il marche bien. Tu vends quoi? Je fais dans le canon. Ça tombe bien. Non, je ne te crois pas. Je ne mens plus jamais. J'ai compris la leçon.
Seriez-vous intéressé par notre nouveau boulet, une merveille de technologie qui peut infliger à vos ennemis les souffrances les plus atroces? Oui, Cartman. Je suis un terrible pirate. Bon, vous êtes peut-être un pirate, mais vous ne serez un vrai flibustier que si votre navire est équipé des dernières armes de combat de la compagnie des canons perforateurs Big Bobo. Toutefois, je sens que vous êtes un pirate prêt à tout faire. Oui, non, c'est toujours pour devenir toujours Chandler, un gagné de première catégorie. Okay. Ce jour, entrez ici le nom du client. Quel est votre nom déjà? Guybrush Threepwood. Ce jour, monsieur lève le coude, je peux vous proposer la gamme complète des canons perforateurs Big Bobo. Pour commencer, nous avons le modèle standard, le pote du boucanier. Mais nous avons de nombreux autres modèles disponibles. Le maître boulet, le perforateur de lutte. Ah mais il faut que j'aille gagner des duels contre des clodos et que je dépense mon butin à chaque fois. Et finalement, le canon qu'utilise le terriblissime fossoyeur des mers, René Rottingham, le destructomatique T-47. Alors, seriez-vous intéressé par l'un de ces modèles, monsieur? Le T-47, là. Je prendrai le destructomatique T-47. Vous venez de commander le destructomatique T-47 avec son système de destruction automatique fax modem intégré. C'est du matos de pro, si je peux me permettre. Pour le paiement, doublon, bijoux, jeune captive? Mes cales sont pleines à craquer. Le total de votre butin ne suffit pas pour un modèle de ce genre. Même si on reprend votre vieux canon au prix de l'Argus canonnier, êtes-vous intéressé par un modèle moins cher? On va devoir faire à chaque fois. Je prendrai le modèle Mister Massacre. Le total de votre butin ne suffit pas pour un modèle de ce genre. Même si on reprend votre vieux canon au... Je prendrai le Vampire 2000. Le total... Je prendrai le Perforateur de luxe. Un Perforateur de luxe, ça marche. Je vais demander à maman qu'elle vous installe votre canon. Quand elle aura fini, vous lui donnerez le montant convenu de votre butin et votre canon usagé. Maman! Ok. Oh oui. Le perforateur de luxe. C'est un modèle sport, un bijou de technologie. Allons-y. Ça va chier! Si tu veux te battre, tu seras servi. Ok. Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Ça va chier. Fais pas rire. Océan. Tremble, moustique. Je suis la terreur des océans. On t'a déjà dit que t'avais la même tête que Rantanplan. Très bien. Aucun adversaire ne m'a jamais résisté. Ta mauvaise haleine a suffi à tous les étouffer. Je vais t'embrocher comme un dindon. Je crois que j'ai tout, hein. Ah ouais? Ah ouais? Tu restes muet devant mon sens de la répartie. Ah, c'est pas possible. Tu traces la bouche à la Yoli. Tu as appris à manier le sabre dans une boîte de nuit? À nouveau! Dans peu de temps, tu ne seras plus qu'une immonde bouillie. Donne-moi ton trésor! Je n'ai aucun trésor. Pourquoi crois-tu que je t'ai attaqué? Ok. Hors de mon navire, face de méduse! Oui, non mais je le connais, donc c'est nul. Sauf pour apprendre des vannes. Ne me fais pas rire. Alors, boîte de nuit. As-tu appris à manier le sabre dans une boîte de nuit? Je tremble de partout. Tu as autant d'allure qu'un... Apprends-moi une vanne, mec. Je ressemble tant que ça à ta petite amie?
Allez. Je vais te mutiler, t'embrocher et te finir en fricassé. Ton odeur me fait l'effet d'une bouche d'égout mal refermée. Comment fais-tu donc pour être aussi laid? Sans compter tous tes rancœurs au lycée. Je vais t'embrocher comme un dindon au rôti. Bouilli ou aioli? Bouilli, hein. Dans peu de temps, tu ne seras plus qu'une immonde bouillie. Oui. T'as gagné. Donne-moi ton trésor. Prends-le. De toute façon, il encombre la cale. La cale est pleine de butin. Ok. Allez. Vous revoilà, monsieur. Mon nom est Guybrush Threepwood et je suis vraiment un terrible pirate. Il est vrai que vous êtes un terrible pirate, mais songez que vous pourriez devenir plus terrible encore en choisissant dans la gamme des quatre... Allez. Qu'as-tu à vendre aujourd'hui? Ce jour, entrez ici. Je prendrai le destructeur... Ça a pas marché. T-47. Le total... Je prendrai le modèle Mister Massacre. Le total... Je prendrai le Vampire 2000. Et un Vampire 2000. Maman! Maman! Ok. Oh là là. Oh, oh los problemos. Oh oui, oui, oui. Oh, la manœuvre. Paf. Aïe. Mais il meurt quand? Mais tourne! Oh putain! Si tu veux te battre, tu seras servi! Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Ne me fais pas rire! As-tu appris à manier le sabre dans une boîte de nuit? Ton problème, c'est que tu fais encore pipi au lit! Oh! Quand il t'a vu naître, ton père a dû se sauver en hurlant. Ok, nouvelle vanne, on l'a pas. Mes traveler chèques sont valables même au Kazakhstan. Je vais te mutiler, t'embrocher et te finir en fricassé. Ton odeur me fait l'effet d'une bouche d'égout mal refermée. Donc ouais, celle qui m'a sorti, je peux pas, hein. Ouais. Aucun adversaire ne m'a jamais résisté. Ah ouais? Ah ouais? Pour l'humanité, ta mort serait un soulagement. Je tremble de partout. T'as gagné. Océan, il vient de me la donner. Ah non, Océan, je l'ai toujours pas. Gibier de potence vérolée. Prends-le. Si, je l'ai. De toute façon, il encombre la cale. La cale est pleine de butin. Ok, on avance, on avance. Oui, c'est vrai. Voilà, monsieur. Qu'as-tu à vendre aujourd'hui? Ce jour. Je prendrai le Destructomatique T-47. Le total. Évidemment. Je prendrai le modèle Mister Massacre. Un Mister Massacre, c'est bon. Maman! Maman! Alors, oh là là, oh là là.
quel con. Aïe aïe aïe, j'ai tout pris. Oh oui. Le bourrage. Non, le concombre les mains. Bon, j'ai peut-être un peu bourré. Pirate extrêmement redoutable. Tout s'explique. Non 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 non. Oui. Et non, je rebours comme un abruti. Ok. Non. Ils sont amorphes, ça me va, hein. Ah. Non. Non, 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 non. Putain, mais il meurt jamais. Nom d'un cul. Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Ne me fais pas rire. Ok, océan. Ah, et le père aussi. Quand il t'a vu naître, ton père a dû se sauver en hurlant. Au moins, le mien n'est pas un truand. N'est pas un truand, hein. En garde, mon ami. Oh, ça a été dit et redit. Ça a déjà été dit et redit. Océan. Tremble, moustique, je suis la terreur des océans. On t'a déjà dit que t'avais la même... Ah mais si, c'est Rentemplant. Tu préfères être enterré ou incinéré? Ah, je l'ai pas. Attends, je cherche le comeback nul. Il vaut mieux que ce soit réfrigéré. Donne-moi ton trésor, face de Merlan. Un trésor? C'est ce que tu cherchais? Désolé, je suis à court. La peste soit sur toi, t'es pas invité! Je suis Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Ne me fais pas rire! Ok. Tu préfères être enterré ou incinéré? Si tu restes dans le coin, je préfère être fumigé! Oh, pas mal! Tu as appris à manier le sabre dans une boîte de nuit? Pipi au lit, non? Ton problème, c'est que tu fais encore pipi au lit. Il me semble que j'ai tout, hein. Aucun adversaire ne m'a jamais résisté. Ta mauvaise haleine a bah non. Suffi à tous les... Si, je vais sortir la sienne, ouais. C'est bon, hein.
Je vais te mutiler, t'embrocher et te finir en fricassé. Mes égouts, égouts, égouts. Ton odeur me fait l'effet d'une bouche d'égout mal refermée. Comment fais-tu donc pour être aussi laid? Sans compter tous tes rancards au lycée. Salaud! Donne-moi ton trésor. Un trésor? Ok. Barre-toi, ça vaut mieux pour ta santé. Allez, on gagne contre lui et on peut affronter le capitaine. Ne me fais pas rire. Fumigé. Il était pas un truand, ouais, on a tout là. As-tu appris à manier le sabre dans une boîte de nuit? Ton problème, c'est que tu... Salaud! Je vais te mutiler, t'embrocher et te finir en fricassé. Ton odeur me fait l'effet d'une bouche d'égout mal refermée. Le comeback d'incinéré, c'est je préfère encore être fumigé. Enfin, si c'est toi, je préfère être fumigé. Pour l'humanité, ta mort serait un... Ah ouais? Ah ouais? Let's go. Tu as autant d'allure qu'un singe en déshabillé. Je ressemble tant que ça à ta petite amie. Ok, si je comeback là... Tu préfères être enterré ou incinéré? Si tu restes dans le coin, je préfère être fumigé. Allez! T'as gagné? Donne-moi ton trésor, babouin boutonneux. Le trésor est à toi. La cale est pleine de butin. Let's go! Et Zébardi. Ah ouais? Vous revoilà, monsieur. Qu'as-tu à vendre aujourd'hui? Ce jour... Je prendrai le destructomatique T-47. Bravo, messieurs! Vous venez d'entrer dans un groupe très sélect de pirates. Maman! Maman! C'est parti. Mais sauf que, évidemment, le capitaine ne va pas sortir les mêmes vannes. Oui, déjà, faut gagner la bataille. Ah oui, ça fait le bruit du Terminator. Mais ça défonce les oreilles, cette saloperie! Mais non! Magnifique! Mais bordel de bite! Pas mal. Allez là, faut crever. Qu'est-ce que tu veux? Attendez, il y avait Windows qui voulait redémarrer. Ok. Tu t'en sortiras pas comme ça, René. Mes compétences au sabre sont dûment attestées. Alors, c'est parti. Te tuer serait faire œuvre d'assainissement. Ouais, mais pourquoi il gagne? Mon pauvre, tu fais honte à ta race et à tes glorieux ascendants. Ascendant, truand? Mon père, au moins, n'était pas un truand.
Mes proies, je les finis tous avec un bouquet garni. Avec un bouquet garni, donc... Immonde bouillie fonctionnerait, ou bien l'aioli. Non mais non, c'est pas une histoire d'haleine là. Immonde bouillie, c'est bon pour moi. Dans peu de temps, tu ne seras plus qu'une immonde bouillie. Ah non. Je n'ai jamais perdu un match de rugby. Hein? Bah, immonde bouillie alors. Ton problème, c'est que tu fais encore pipi au lit. Pipi au lit? Ton problème, c'est que tu fais encore pipi au lit. Ton odeur offenserait l'appendice nasal d'un macabée. Non, fumigé et à macabée, mais il parle de... Ça serait inversion de rôle. Ta mauvaise haleine... Mauvaise haleine, ouais. Ta mauvaise haleine a suffi à tous les étouffer. Ah mais non! Les carottes sont cuites, fais ton testament. Fais ton testament. Te tuer serait faire preuve d'assainissement. Tuer serait faire œuvre d'assainissement. Ah pas du tout. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus en moi, Freluquet? Freluquet. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus en moi? Ton odeur me fait l'effet d'une bouche d'égout mal refermée. Tu as le choix entre être décapité ou étrippé. Fumigé. Si tu restes dans le coin, je préfère être fumigé. Ta mère en bikini à Brimstone. Comment ça, ma mère en bikini à Brimstone? Mais je l'ai pas, ça. J'ai rien qui rime avec Stone. Ah, c'est avec Ni alors. C'est une vanne que j'ai pas apprise peut-être. Hein. Ah, attendez. Non, pas du tout. Ma mère en bikini à Brimstone. Ça a déjà été dit et redit parce que bikini. Ouais, mais c'est bizarre quand même. Les rancards, oui, les rancards, ça ferait sens, mais... Ensuite, si c'est mal traduit, oui, d'accord. Pipi au lit, non mais pipi au lit, ça avait marché pour rugby, non? On est d'accord, hein. Ça a déjà été dit et redit. Ouais, ça marche, ok. Oh putain, c'est n'importe quoi. Hein. Ok. Sacre bleu, je n'arrive pas à y croire. Sacre bleu. Tingam a perdu un combat. Donne-moi cette carte, prends ton bateau et mets les voiles. Tu as gagné, je te rendrai donc la carte. Tu étais condamné dès le départ, fripouille. C'est bon, je jette l'éponge. Pas étonnant que tu aies perdu avec un sabre pareil. Par pitié, plus d'un chute, je t'en supplie. Ton odeur et ton visage me font penser à un gruyère moisi. Ah!